La visite guidée des élèves de la terminale H5 du lycée technique Poitiers-Bernard dans les locaux de Média Concept Radio-Télévision s'inscrit dans la dynamique de la phase pratique des enseignements reçus par ses apprenants à l'école. Aussi ont-ils visité les différents services de MCRTV, notamment la production, les régies radio et télé, la rédaction, se faisant une idée des moyens techniques utilisés pour faire fonctionner la structure à travers une série de questions à l'endroit des professionnels du média. Une activité bien appréciée par les élèves. L'un d'eux exprime ses sentiments au terme de cette visite. En classe, au niveau des cours qui nous ont été donnés par nos professeurs, beaucoup de choses ont été évoquées. Il y avait des appareils que le prof nous expliquait le fonctionnement en classe, mais on n'avait pas cette chance-là de pouvoir les voir en face. Mais à présent, avec cette visite guidée qui nous a été disposée par nos professeurs d'informatique ainsi que la bienveillance de la direction de MCRTV.fm, on a eu cette grâce-là de pouvoir voir en face les différents appareils, émetteurs, récepteurs, les antennes, comme l'antenne ici-là. Vraiment, ça nous a apporté un plus. Visiblement satisfait de la visite, l'un des encadreurs souligne l'intérêt de l'activité. Ces élèves que nous avons amenés ici à MCRTV, que je remercie le directeur général en passant, sont les élèves qui font le réseau et télécommunications. Au niveau de cette filière, à l'école, oui, c'est vrai, nous avons beaucoup d'ordinateurs, mais ce n'est pas suffisant. Donc il a fallu que nous puissions amener ces enfants ici pour qu'ils puissent visiter les équipements tels que les émetteurs de télévision, le studio de fabrication et de diffusion des images et bien d'autres équipements encore. C'est des équipements des enfants quand ils font le cours, par exemple, de principe des signaux. C'est des choses qu'ils apprennent, oui. On parle du signal, mais le signal, c'est quoi, finalement? Bon, qu'est-ce qui crée le signal? Qu'est-ce qui transforme le signal? Donc voilà, et c'était vraiment nécessaire de venir ici pour qu'ils prennent contact avec le personnel de MCRTV qui les a présenté tous ces équipements, comment ces équipements fonctionnent. Ils ont posé des questions et les enfants ont été vraiment éclairés. La pérennisation de ce genre de descente sur le terrain, un souhait également émis par les élèves soucieux d'un apprentissage meilleur à l'endroit des responsables de leur établissement.